Les copains, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo du jeu à gratter des abonnés. Et aujourd'hui, on va réaliser la demande de 2 abonnés. Donc c'est parti, je vous présente ça. On va réaliser deux demandes pour un montant total de 55 euros. Donc voilà, c'est parti, je vous les présente. On va réaliser une demande de la part de Lucie Guénaud qui nous a demandé de gratter un méga goal accompagné d'un mot croisé à 10 et d'un super 10 ou 200. Donc tout est là. Et ensuite, on va réaliser la demande d'Alexis Brebion qui nous a demandé de gratter un mot croisé à 10 accompagné d'un bingo, d'un super 10 ou 200, d'un mot croisé à 3 et d'un blackjack. Donc tout est là, les copains. Donc si toi aussi tu veux participer au jeu à gratter des abonnés, c'est tout simple. Il suffit de me laisser ta demande de jeu à gratter dans les commentaires. Bien entendu, il n'y a aucune limite au niveau du montant. Et si je gagne un quart supérieur ou égal à 50 euros en un ticket, je fais gagner à l'abonné correspondant une carte cadeau de 15 euros. Voilà, les copains, c'est parti. Donc dans cette session, on a 4 jeux à 10, on a 2 mots croisés à 10, on a un bingo, un méga goal, 2 10 200, un mot croisé à 3 et un blackjack. Donc c'est parti, on va se gratter tout ça dans l'ordre. Et puis let's go, que la force soit avec nous dans cette nouvelle session. C'est parti, je place bien ma petite caméra. Voilà, et le blackjack, let's go. Ma petite pièce et la banque est à 19, il nous faut 20 ou 21 pour gagner. Et on a 18, 17, 21 les copains, c'est gagnant. Et le 13, donc minimum 4 euros de récupérer. Nous ne sommes officiellement pas Fanny dans la vidéo. Donc au revoir Fanny, salutations à toi, bonne journée. Tu n'es pas la bienvenue dans la vidéo, bisous, ciao. Et verdict, on a combien multiplié par 2? J'espère qu'on aura autre chose que 2 euros x 2. Et verdict, c'est 2 euros x 2. Donc c'est un ticket à 4 euros les copains. On récupère 4 euros dans cette session. Ça fait officiellement plaisir. Et du coup, ben hop, on met de côté. Et on enchaîne avec le deuxième jeu à gratter de la session. Le petit mot croisé à 3. C'est parti. Et les lettres gagnantes, on a le U, le B, le I, le S, le V, le H, le P, le V. Hop, le P, le R, le N, le X, le M, le Y, le G et le A. Donc comme d'habitude, le E est éternel. Donc, c'est disparu. Donc on a ni le E ni le O dans ce petit ticket. Donc tous les mots qui comporte un E ou un O, je vais les barrer. Et il y en a de partout. Ok, donc le reste, on contrôle. On a en, A, N, S, que l'on a. Ça nous fait un mot, c'est cool. Ici, on a afin, A, et on n'a pas le F. Très bien. Et brut, B, R, U, et on n'a pas le T. Donc le mot croisé à 3 est officiellement perdant les copains, c'est pas grave. Et du coup, nous enchaînons avec les super 10 ou 200. C'est parti. Donc, les numéros gagnants, nous avons le 3, le 27, le 36, le 24, le 7 et le 15. C'est parti. 8, 12, 23, 29, 35. 39, 14, 49, 41, 37, 45, 48, 44, 21, 18, 34, 17, toujours rien. Le 2, 19, 32, 9, 46, 16, 42 et dernier numéro, c'est le 11. C'est malheureusement perdant ce qui concerne le premier 10-200. On continue avec le deuxième, c'est parti. Et on a comme numéro gagnant le 31, le 15, le 21, le 8, le 36 et le 17. C'est parti. 30, 43, 4, 39, 18, 37, 9, 25, 12, 23, le 7, le 15, le 10 de 100 gagnant, les copains, ça fait plaisir. Nous avons un 10 de 100 gagnant sur les deux. À ton 10, à ton 200, that is the question. Et verdict, nous allons vérifier ça ensemble.
Et c'est 10 euros les copains. Bah ça fait plaisir. C'est toujours ça de récupérer. On met ça dans notre petite cagnotte. Et puis voilà, on fera le compte à la fin. C'est déjà très positif les copains. On adore. On a récupéré 10 euros au 10-200. C'est déjà très très bien. Et on continue du coup avec notre petit méga goal. C'est parti. Donc jeu 1, il faut qu'on ait 3 sommes identiques parmi les 11 petits maillots. Et on a 40 euros, 50 euros, 20 euros, 10 000, 10, 100 euros, 100 euros deux fois, 10 euros deux fois, 40 euros deux fois, 20 euros deux fois et 500. C'est malheureusement perdant. Ok, jeu 2, il faut qu'on ait 3 symboles identiques alignés ou la petite coupe pour remporter la somme associée. Et on a un chrono, un sifflet, une chaussure, 2 chaussures, une cage de but et un chrono. C'est perdant. On continue ici avec un sifflet, une cage de but, un gant, un chrono, 2 chronos et une chaussure. C'est perdant. Et dessous, nous avons un podium, un sifflet, un podium, une chaussure et un podium, les copains. Le méga goal est gagnant, ça fait plaisir. On adore. Et à côté, on avait une chaussure. Donc les copains, j'adore ça. Petit suspense. Ici, il y avait 1000. Ici, il y avait 50. Donc, on peut avoir 10, 20, 40, 100. Et verdict, nous avons, allez, tout sauf 10. Oh, c'est 10 euros. Bon, c'est déjà ça. C'est très positif. On va tenter le ticket à 20 euros avec les ballons. Il faut qu'on ait un maximum de ballons pour un maximum de gains. Et nous avons une médaille, un terrain, un stade, un supporter, un short, un drapeau. Et dessous, on a un corner, une gourde, un fanion, un carton, une trompette et un tableau de score. Rien de gagnant, malheureusement. Donc, jeu bonus, est-ce qu'on double notre gain? Et non, malheureusement, c'est un ticket uniquement à 10 euros. Bon, bah, c'est déjà ça de prix. On ne va pas s'en plaindre du tout. Hop, on le met de côté. Et du coup, on enchaîne avec le premier mot croisé à 10 de la session. C'est parti. Donc, mot croisé à 10, comme à notre habitude, nous commençons avec le jeu 2. Jeu 2, il faut qu'on gratte les mots gagnants. Et si on les a dans la grille du dessus, on remporte la somme associée. Et nous avons comme mot gagnant. Le premier mot, c'est le mot à coller. Donc, c'est parti, on va le chercher. Non, on ne l'a pas. Et deuxième mot, c'est le mot châle. Donc c'est parti, châle. Non, on ne l'a pas. Ok. Et il y avait 10 euros et 20 euros. Bon, c'est pas grave. Deuxième mot à 10, c'est parti. On va découvrir les lettres gagnantes pour faire un maximum de mots dans la grille. Et on a le D, le Q, le B, le M, le N, le X, le P, le C, le S, le W, le V, le F, le L, le K, le H, le J, le A, le Y, le O et le U. Donc comme d'habitude, nous n'avons pas le E, l'éternel porté disparu. Du coup, ni le I. Donc tous les mots avec un E ou un I sont perdants. Et on va les barrer. C'est parti. Hop, hop. Bon, il ne nous reste plus grand-chose, on va contrôler. Il nous reste Nord, N, O. Ah, d'où Jésus, on n'a pas le R. Donc, tous les mots avec le R sont perdants. Ok. Il nous reste plus. P, L, U que l'on a. Ça nous fait un mot. Ici, on a ton. En vrai, on n'a pas le T, c'est dommage. Donc, du coup, hop, les deux mots avec le T sont perdants. Et ce qui nous fait enchaîner avec le jeu 3, jeu 3, tout simplement, il va falloir qu'on gratte les lettres gagnantes. Et si on fait un mot complet, on remporte la somme associée. C'est parti. Et on commence par le B, donc de novembre. Donc joue, plat, génio, oncle, non. Le J de joue, d'accord. À côté, on a quoi? Le C de oncle. Le T de plate, novembre, génio, oncle, non. Ensuite, on a le V de novembre. Là, le R de hop, novembre. Géniaux qui joue plate. Donc, non. Là, j'espère qu'on n'a pas de voyelle. Le P de plate. Ok.
Là, c'est quoi? Le cul de qui? Très bien. Hop, donc là. Ah mince, c'est le i de qui? Ok, géniaux. D'accord. Ici. Ah mince, encore une voyelle. C'est le a de plate. Je voulais pas tomber sur une voyelle. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a quoi? Le g de géniaux. Et le s de oncle. Et c'est tout. Ok. Donc là, si on étudie la situation, on ne peut pas gagner 20 euros, c'est mort. On peut gagner 10 euros avec qui, sinon c'est mort. Si on a le U, c'est 10 euros les copains. Et on a le O. Et le E, c'est perdu. On n'avait pas le L, non. Donc le premier mot à 10 est perdant. C'est pas grave, on oublie et on enchaîne du coup avec... Le deuxième, c'est parti, il est là, et let's go. Les lettres, les mots gagnants, pardon, au deuxième jeu, nous avons. Hop, le mot brique. Allez, on va chercher brique, j'espère qu'on l'aura. C'est parti. Non, on ne l'a pas, ok. Et deuxième mot, c'est le mot... Ami, tout simplement, on va le chercher. Ok, c'est malheureusement perdant, c'est pas grave. Du coup, il y avait 10 euros et 50 euros, c'est pas grave. On oublie, et du coup, jeu 1, c'est parti. Les lettres gagnantes, on a le B, le Y, le H, le A, le V, le F, le Q, le D, le G, le K, le P, le X, le L, le R, le N, le U, le U, le C, le M, le O, le Z, ok, donc là, niveau voyelle, comme d'hab, on n'a pas le E, on n'a pas le I, donc c'est parti, tous les mots avec le E et le I, nous allons les barrer, et du coup, hop. Ok, il nous reste à contrôler or, H, O, R, et on n'a pas le S, très bien, est-ce qu'il y a d'autres mots avec le S? Non, tant mieux. Ici on a fort, F, O, R, et on n'a pas le T, donc fort, quota, c'est mort, il nous reste sur, on n'avait pas le S, et zoom, Z, O, O, M, que l'on a, et c'est mort en ce qui concerne le jeu 1 de ce deuxième mot croisé à 10, et du coup, jeu 3, c'est parti. On a le H de hot. Divine urgence temporaire.